On peut commencer par regarder les dessins de Sinbad, qui ont bien évolué tout au cours de l'année. Donc ça, c'est les plus anciens? Voilà, ce sont les plus anciens. Ah oui, déjà l'évolution, là, entre le début de l'année. Alors là, il y avait un thème de la mer. Petit problème de circulation. Même avec les motos, les trucs à, vous savez, les trucs de vélo et tout, c'est compliqué. Je suis désolé. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Bonjour. Alors? Bon, on a commencé un petit peu à regarder les dessins qui sont très intéressants. On en parlait avec l'auteur. C'est lui qui a fait tout ça, là? Tous? Oui, c'est lui. Ouais, c'est Sinbad. Incroyable. Ah, ils apprennent l'heure, déjà? Oui, ça y est, hein, c'est acquis. Hein. Demandez-lui l'heure, vous verrez. Ah, parce qu'il parle jamais de l'heure. Si, moi aussi, je lui ai posé la question plein de fois, il m'a répondu. Il est même sur ma montre, il arrive à la lire sur ma montre. Mais alors là, c'est surtout, voilà, grammaire, écriture, dictée. Mais il est très appliqué. Ah oui? Calme. Très appliqué, oui. Remarquablement appliqué pour un garçon, j'avoue que... Comment ça, pour un garçon? Oui, en général, les garçons arrivent plus tard à une écriture soignée que les filles qui ont une plus grande capacité à s'appliquer dans le graphisme. Appliquer, c'est sa mère. L'élégance... Peut-être plutôt mon père. Mon père était très élégant. Écoutez, en tout cas, c'est tout à fait satisfaisant et il est très motivé. Toutes les conditions sont là. Parce que nous avons la très bonne nouvelle de son passage dans la classe supérieure à vous annoncer. Donc on est très heureux, vu les débuts qui étaient un petit peu difficiles. Bravo à vous, puisque vous l'avez aidé à arriver à ses progrès. Vous pouvez être fier de lui. Merci. On a fait le tour pour aujourd'hui? Je crois qu'on a fait le tour. D'accord. Merci beaucoup pour votre patience. Merci. Merci encore. C'est normal. Au revoir. Au revoir. Au revoir.